Good morning, Aleid. On étudiera aujourd'hui le Lenishmat Avraham Chaim Norber Ben Fortuné Mazal Chaya Batodavar Rahamim Ben Rosa et Moshe Ben Yaakov Torah. Si vous souhaitez aussi d'une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions Masechet Bechorot, Perek Vav, Mishnah Vav. En lo beitzim, o en lo ela beitza achat. Rabbi Ishmael Omer, im yashlo shne kisin, yashlo shtei beitzim. En lo ela kis echad, en lo ela beitza achat. Rabbi Akiva Omer, Moshivo al akuzo ou memaech. Im yasham beitza, sofa latzet. Maase shemiach velo yatzat. Venishchat venimtzet devuka bakesalim. Veiti Rabbi Akiva, vasa Rabbi Yochanan ben Nourin. On continue dans notre Mishnah à parler des défauts qui vont invalider le Bechor pour le Mizbeach, le sujet de notre chapitre, de tout notre chapitre de Perek Vav. On est en train de découvrir, en fait, ça correspond, ça touche même à tous les sacrifices. Le sacrifice doit être tamim, il doit être parfait, qu'il n'y ait pas un seul défaut. Donc on a appris Mishnah Aleph, défaut de l'oreille, Bet Gimel, défaut des yeux, Mishnah Dalet, je sais plus déjà, on était dans la bouche, dans les dents, Mishnah He, on a commencé à parler des parties génitales, et dans notre Mishnah, on continue à parler des parties génitales, avec cette fois-ci, Mishnah He, ça parlait plus du guide, du membre, proprement dit, tandis que Tarte Mashma, qu'on dit proprement dit, c'est pour parler proprement. Et à part ça, dans la Mishnah Vav, maintenant on va parler cette fois-ci des Beitim, les testicules. D'accord? Maintenant, bien sûr, on sait comment ça marche les Beitim, je préfère dire utiliser le mot Beitim, permettez-moi de ne pas tout traduire en français, j'aime pas le français, il me sonne très vulgaire à l'oreille, je préfère l'éviter. Donc on va parler des Beitim. Maintenant, c'est constitué toujours d'une poche avec dedans un petit œuf. Enfin, d'accord, la Beitza en l'occurrence, la testicule. Et donc il y a la poche et la Beitza. D'accord. La Mishnah, maintenant, va mentionner, on va découvrir trois avis. Le problème de savoir, il est que la Torah rallonge beaucoup sur ça. Dans les prochaines parachutes, on verra au Maouch, Vechatout, il y a différentes formes de castration qui vont invalider le Korban. Pour le moment, on va parler juste d'un Bechor qui n'a pas les deux Beitzim comme il se doit. Il y a des problèmes dedans. La question, c'est de savoir est-ce qu'on va permettre, ou est-ce qu'on va directement invalider, est-ce qu'on va supposer qu'il y en a deux, est-ce qu'on va chercher la deuxième, c'est là un peu tout le sujet de notre Mishnah. On commence avec la première phrase, regardez. On va traduire d'abord, après on va expliquer, puis après on va découvrir la suite. En lo beitzim, s'il n'a pas du tout de beitzim. O en lo ela beitza achat. Ou bien il n'a qu'une seule beitza. Qu'une seule donc testicule. D'accord ? C'est-à-dire, on a un bechor, qui est né, mal, mais le problème c'est qu'on constate qu'il a éventuellement, alors le Barthélemy Recorsé nous précise qu'il faut lire, c'est qu'en fait, il a soit en lo beitzim, c'est qu'il n'en a pas deux, mais il en a deux dans une seule poche. D'accord ? Il en a deux, normalement il y a deux poches, droite et gauche. Eh bien lui, dans une seule poche, il a lavé les deux. C'est un défaut, c'est invalide. Ou encore, en lo ela beitza achat, c'est qu'en fait, il a deux poches, mais qu'il a une seule beitza dans une, et l'autre, elle est vide. Sur ça, donc, ça se lit, la phrase se finit. Ouais, il y a un point à la fin de la phrase pour dire que c'est encore une autre forme de chose qui est invalide. Soit, si on reprend encore une fois, il a, donc on a dit, il y a deux beitza, deux œufs, deux testicules dans deux poches, et la Mishnah va m'enseigner comme ça. S'il a, en tout cas, il n'a pas les deux beitzim dans les deux poches. Il a soit deux beitzim dans une seule poche, ou soit il a deux poches, mais qu'il a une seule beitza dans une poche. D'accord? Ces deux choses-là invalides. Sur ça, on va découvrir qu'en réalité, c'est pas il y a une discussion. Rabbi Shimon enseigne, Im yashlo shnei kisin, yashlo shtei beitzim. En lo ela kis echad, en lo ela beitza echad. Rabbi Shimon nous dit comme ça, non, ça marche pas comme ça. Il vient être relègue sur la deuxième partie de la Mishnah. Première partie de la Mishnah, c'est le fait qu'il ait les deux beitzim dans une seule poche. Rabbi Shimon est d'accord que c'est invalide. Mais selon Rabbi Shimon, si tu as deux poches, et que dans une seule, tu en as une, il y a une beitza, mais dans l'autre, elle est vide, eh bien, Rabbi Shimon vient et t'apprend une règle. Il te dit non. S'il y a deux poches, c'est qu'il y en a deux. Alors pourquoi tu ne la trouves pas? Qu'elle dirait qu'elle est restée collée au Ksalim. Les Ksalim, c'est les reins. Elle est restée en haut, elle a un problème. Mais, donc, si tu as deux poches, tu supposes qui est, c'est plus que tu supposes, tu approuves, c'est sûr qu'il y a deux beitzim, mais qu'elle est restée collée dans les xalim, dans les reins, et donc de ce fait, tu n'as pas le droit d'être chochet le bechor, parce qu'il n'a pas encore de défaut. Ou si c'est un korban, on pourra même le faire en korban. Tandis qu'il continue, il nous dit, mais par contre, si toutefois, il a juste une seule poche, apparemment ça arrive, d'accord,
c'est qu'il a une seule poche. Alors là, dans ce cas-là, on considère qu'il n'a qu'une seule beitza, il a juste une seule beitza, d'accord? On continue ensuite. Rabbi Akiva Omer, on va synthétiser ensuite, d'accord? Je préfère avoir les trois avis. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva enseigne, non. Je ne suis pas aussi, je ne sais pas qui c'est qui est permissif et strict dans l'histoire, mais je ne suis pas comme toi, Tanakama, qui me dit que s'il a deux poches, mais avec une seule testicule, donc que c'est invalide. Je ne suis pas comme toi, Rabbi Shmuel, qui va permettre. Mais moi, je propose une solution plus concrète et technique. C'est de l'ausculter. Il a un moyen, Rabbi Akiva, pour faire en sorte que on va l'asseoir. On va faire en sorte cette fois-ci sur le derrière. Ça s'appelle Akuzo dans la Mishnah, Agavim. Et on va l'asseoir donc en fait comme un homme, pas comme un animal. L'animal quand il se baisse, il se couche, il baisse les pattes tout simplement, il se couche sur son ventre, ou bien même il peut se lever, mais en tout cas il n'est pas encore assis sur le moshav. Mais là, le moshav, le derrière quoi, le zitzfleish en yiddish. Et zitzfleish c'est zitz, c'est s'asseoir, et fleish c'est la viande. La viande sur laquelle on s'assoit, ça s'appelle comme ça que ça se dit en yiddish propre. D'accord? En tout cas, la Mishnah enseigne donc sur le moshav. Donc, il faut l'asseoir. Moshivo al akuzo, tu l'assois sur son derrière. Umemaer, et là-bas, il ausculte, il lui fait un massage. Il cherche là où ça se trouve. Et c'est sûr que, im yesham beitza, s'il y a réellement une beitza qui est libre, qui fonctionne, qui est validée, qui a sa fonction de testicule, alors dans ce cas-là, sauf à la tête, elle sortira de la sorte. D'accord? Donc, il doit l'ausculter et chercher à la faire remonter dans sa poche. Donc, si je synthétise les trois avis, on a un premier avis qui me dit une poche, deux poches. On parle d'abord le cas où il y a une poche avec là-bas les deux qui sont dedans, on n'en parle plus. Ça, c'est sûr, c'est invalidé d'après tous les avis. Tout le problème commence quand on a deux poches, mais qu'on a une seule dans une et pas dans l'autre. Trois avis. Tanakama nous dit une poche avec une seule, il en manque une, invalidé. Rabbi Shmuel vient te dit non, s'il y a deux poches, c'est qu'il y en a deux. Alors pourquoi tu ne la trouves pas? Elle est restée bloquée dans les reins, mais ça permet. Rabbi Akiva lui vient et te dit non, si elle est collée dans les reins, ça ne marche pas. Mais d'un autre côté, il faut la chercher, il faut la trouver. Et tu la cherches, donc on doit le sculpter, et lui faire remonter, elle va comme de manière qu'elle va redescendre à sa place. Si elle n'est pas redescendue à sa place, c'est qu'elle est restée collée aux reins, et ça invalide le korban. Et c'est sur ça que la Mishnah continue en racontant une histoire. Masé Shemier Veloyatza, c'est arrivé que, justement, il y avait un Bechor qui avait cette double poche, mais qu'il n'y en avait qu'une seule dans une poche, et de l'autre elle était vide, et ils ont cherché, mi'er, ils ont été mema'er, les ma'er c'est-à-dire écraser, c'est-à-dire tâter, jusqu'à que velo yatsat, et elle n'est pas ressortie, elle n'est pas venue pour reprendre, se mettre à sa place. Venishrat, et de ce fait, on a dit, bon, dans ce cas-là, on a un Bechor qui a un défaut, il est plus apte pour le misbeach, et on l'a égorgé. Et quand on a commencé ensuite à le disséquer pour pouvoir le manger, venimtset vuka baksalim, et quand on a disséqué pour voir ce qui se passait en fait à l'intérieur, on a vu qu'elle était collée dans les reins, dans les xalim. Elle était collée dedans. Veiti Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva a dit, c'est bon, il n'y a aucun problème. Puisque c'était une beitza qui n'était pas à sa place, qui était remontée plus haut, et qui était collée aux reins, et bien dans ce cas-là, elle n'a pas sa fonction, elle ne fonctionne pas comme il faut, c'est un défaut qui est invalide pour le misbeach. Veiti Rabbi Akiva l'a permis, tandis que Vassar Rabbi Yochanan ben Nourit, tandis que Rabbi Yochanan ben Nourit interdit de manger de cette viande, parce qu'il dit que non, Kaniré, c'est plus précisé cette fois-ci. C'était assez compliqué à comprendre au début, en fait, ils ont plus. Apparemment, ils pensent comme Rabbi Ishmael, on a dit. Le premier, c'était Rabbi Ishmael. Ils pensent exactement comme Rabbi Ishmael, qui nous dit, ça c'est Rabbi Yochanan qui pense comme Rabbi Ishmael, qui nous dit que non, dès qu'il y a deux poches, c'est qu'il y en a deux. D'ailleurs, la preuve en est que finalement on l'a trouvée, tu vois, et bien. Elle était là. Et Rabbi Kiva te dit non, c'est pas bon. Si elle reste collée dans les reins, elle ne fonctionne plus comme une beitza, comme il se doit, donc on ne la considère pas comme une beitza. D'accord? Et la halakha est établie comme Rabbi Akiva. C'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de hatzlacha, kol tov, v'seach.